téléspectateurs Diaspo TV, bonjour, bonsoir. Une fois encore, nouvelle magazine Rentrer la Caillou. C'est avec plaisir nous comptons porter chaud à Baou. C'est tout ça qui fait actualité pendant une semaine. Avec nous, le week-end magazine, Watson Desir, un journaliste expérimenté, animateur, publiciste. Nous se passer de présentation avec lui, nous allons commenter actualité. Watson, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Diaspo TV, Radio Nouvelle Lumière, sur page Facebook. Nous. Bonjour, bonsoir Jean Ernst Pierre, bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Diaspo TV et fanatiques émission Weekend Magazine. Nous sommes plaisirs avec vous jeudi samedi pour nous commenter l'actualité et de plus en détail. Merci Watson, le fait que vous êtes disponible pour télévision communauté à Diaspo TV, Radio Nouvelle Lumière. Watson Desir, ça a passé comme ça dans la République. Ministre Jeunesse Axpora, Max Atis, li démissionné. Li dit nèg yo manger l'argent 25 stades là. En plus, li fait qu'on est président Jovenel Moïse pas gain vision. Bon, mais tout le monde était déjà ouais, ça, c'est pas un secret pour un secret lié. Cela saute aux yeux. C'est visible, c'est évident. Le président Pagian, la Pagian Ouest, a pratiqué sa mêlée la politique du tâtonnement. Et pour l'on a politique du tâtonnement, c'est parce qu'on a une vision, on a un plan qui est clairement défini. Le président Jovenel Moïse a fait preuve ça dès le début de la campagne électorale. Il est venu avec des slogans et tout le monde était prenant slogan, mais il m'a dit jamais d'elle pour te présenter un plan politique ou bien un programme politique. C'est normal, je ne veux dire, pour nous, ça c'est évident, il y a des gens qui étaient peut-être aveugles par sentiment, par alliance, ou par dégoût, par mécontentement par rapport à la classe politique. Donc, c'était en forme de rejeté, les classes politiques qu'il a. Et puis, il y a un entraîneur Jovenel Moïse, parce que Jovenel, c'est pas une parole, il y a des besoins d'entendre, il y a un fond. Question banane et Jovenel vient prouver, je voulais vous dire que il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas gagné pour diriger le pays d'Haïti. Donc, il faut au monde clair pour dire, c'est pas parce qu'on a un problème avec Jovenel. Jovenel prouvait qu'il n'est pas capable de diriger, obligé de diriger. Donc, la République va mal, c'est normal, et la République a continué à aller dans ce sens-là jusqu'à ce que le président Jovenel Moïse quitte le pouvoir, parce que l'élu. Et il y a un mandat pour 5 ans. Donc, monsieur, il doit prendre 5 ans pour le président Jovenel Moïse qui dépaye et pour le peuple à reproduire et reconfaire, à revoter au monde PHTK parce que les gens là et là, ils veulent perpétuer PHTK sur le pouvoir, ce qui va être difficile pour le pays. Watson Desir, vous parlez de fois que le président Jovenel Moïse a fait 5 ans, 2021 ou bien 2022? Constitution a dit président élu pour 5 ans. Constitution a dit, quelle que soit la date que le président a pris en fonction, il doit remettre pouvoir le 7 février. On considère que Jocelyne Privé n'a pas supposé arriver faire presque un an dans ce pays. Son élection au second degré faite, l'élection a commencé en 2015, le président était supposé entrer en fonction le 7 février 2016. Eh bien, il y a 7 jours de fauteuil présidentiel relatif vide. Sous 14e jour, on a installé le président président et en lieu et place du président Jovenel Moïse. C'est-à-dire que le mandat de Jovenel Moïse, il commençait le 7 février 2016. Il a fini le 7 février 2021. Donc, 5 ans, le Mouchak boucle, c'est comme le 7 février 2021. C'est ça me connaît. Par contre, qui gymnastique, même nègre, a fait faire, a fait étendre la constitution, puis on dit que l'élection du Jovenel Moïse montait le 7 février 2017. Oui, 7 février 2017. Et problème, est-ce que c'est un problème, 7 février 2017 là? D'ailleurs, quelle que soit l'élection faite, le président a entré en fonction immédiatement. Donc on avait choisi la date du 7 février 2017 pour entrer en fonction du président en fonction de la tenue des élections. L'élection de l'attente 2000, l'élection continue en 2016. Sous Rivera,
qui veut pas justement faire un bagaille qui en dehors de la constitution, parce que monsieur annulé l'élection pour être capable qu'un bétatrice son moment, rien que ça. Mais Jovenel Moïse supposait, et suivant la constitution, remettre pouvoir le 7 février 2021. Et c'est ça qu'on voit en communauté internationale à parler d'un large consensus politique, parce que c'est ça seulement qui va permettre Jovenel Moïse d'aller au-delà du 7 février 2021. Très bien, Watson Desir, c'est pas seul ministre Max Attis qui démissionnait, bien mettre Renaud George tout qui claquait la porte. Bien Gracia Delva tout. Hein? Au début, les gars, ouais, tout problème qui existait, il y a des gens qui sont sous pouvoir, monde qui prend pouvoir, ils connaissent les gens qui n'ont pas parlé de rien. Parce que depuis là, les gens ont dérapé dans la campagne électorale, ils étaient sortis, ils n'ont pas gagné comme programme. Parce que la campagne électorale, ce n'est pas seulement venir faire des messages passés, venir faire des choses passer, mais qui sont gagnés comme plan, qui sont proposés, qui n'ont pas gagné dans le monde, qui ne parlent pas que public là. Ou bien, population, t'as tant d'eau là, y'a tant d'eau, et puis y'a un bon plan, on bagaille qui écrit, on bagaille qu'on présente par la nation, et puis la nation dit bon, femme se présente là, on sentit que ça a aidé le pays à améliorer, donc ça a aidé le pays à développer, mais quand elle pour ça, ça a arrivé à me tromper. Mais l'autre proposition, on bagaille qui vide, qui creux, donc qui sont vous dites toi là, c'est vous qui gâteau. Parce que t'es connu dès le début que bagaille n'a pas de bon. Donc, grâce à Delva, parce que grâce à Delva, il y a faut comprendre. Grâce à Delva, pas représenter grand chose. Il n'y a pas de poids, qu'il y a. Parce que pas dans un jeu politique, vraiment, côté que président, pas besoin de sénateur, pas besoin de député. Donc, c'est un gros problème qui existe. Donc, il n'y a pas besoin de grâce à Delva encore, ou grâce à plein, la fédérer les présidents, mais il va rajeunir. Parce qu'il n'y a pas besoin encore, c'est pas important pour lui. Max Attis, lui-même, lui, nous a dit bon, monsieur, d'ailleurs, monsieur même t'es doué, depuis là, monsieur nommé monsieur comme ministre, monsieur t'es doué démissionner, puisque ou pas de papier ou, c'est pas non, vraiment, non, mais t'es sur l'arrêtant, c'est pas non ça, oui. C'est pas non ça. Donc c'est un tissu non, Bali, c'est ça, n'est-ce pas, et sont loin que Bala lit très mal, très laide. Pour payer, on prend au monde mettre le ministre, on va même compte qui est lié, on va même pas pour lui, on a rien de lui. C'est bien sûr, on nous recommande lui, c'est Gabriel Fortuné qui est. Donc, pays a continué de gérer de petits amis à petits amis, et puis la personne va faire plus. Bien, ancien sénateur Yuri La Tortue, à partir de démission, ça, monsieur fait connaître, ça montrait. Équipe tête caléa, li gagoté sans garde derrière l'agent Petro Caribé. Bon, gagoté l'agent Petro Caribé, on va pas dire équipe tête caléa seulement. C'est depuis sous Préval, l'agent Petro Caribé, c'est sous Préval, pas Petro Caribé entré en Haïti. Par ça, si en course avec Venezuela, ou avec pour gagner gaz à un taux préférentiel. Ok, Venezuela, t'es bali sous Préval. Faut regarder depuis sous Préval. Nombre de premiers ministres, gagne Jean-Maxel Rive, gagne Gary Conny, gagne Laurent Lamotte, gagne Evans Paul, jusqu'à M.K.D. Evans Paul, qui est dans un. Et jusqu'à privé, et les gens sont. Donc, ça m'a dit tout le monde, ça, qui parle de responsabilité, vous gagnez. Est-ce que des questions ont été faites dans les normes? Et est-ce que l'argent qui décaisse, est-ce que le travail arrive réalisé? Mais si le travail n'est pas arrivé réalisé, il y a la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui doit jouer son rôle. Si la Cour fait rapport, lui dit, mon frère, c'est gagoter l'argent, la justice doit jouer partition. Et c'est ça que nous découvrons que la justice haïtienne n'est pas indépendante. Le bon justice qui au service, on va dire, au pouvoir utiliser la justice là, je ne plais. C'est normal pour que les résultats soient. Ou pas, c'est normal, n'importe quel pays, pour l'État révéler noir sur blanc que il y a des gens qui font gagote dans l'argent Petro Caribé, ou bien qui prend l'argent, qui dépense le mal, ou qui prend l'argent, qui met leur pension, et bien, les gens ont déjà des barres. On n'a pas de bon procès équitable qui fait.
si moun yo pa coupable vraiment pour yo la gagne, si yo coupable pour purger famille. Donc si quelqu'un a qui fait, eh bien force la cour sur des comptes lui-même lui l'aller jusqu'au bout, faut avoir pression parce que le tribunal administratif lui là pour rendre compte à la nation de comme l'État, c'est-à-dire des dépenses qui fait l'État, l'argent impôt, l'argent taxe qui collecte aussi avec lui, l'argent peuple là au fait gagne. Donc il faut rendre des comptes à la nation. La nation demande des comptes. Lobo, je répète, entre nouveau ministre de justice là, avec commissaire gouvernement Port-au-Prince, sous dossier Arnel Bélizère, avocat cap défendre ancien parlementaire, jusqu'à présent dit Arnel Bélizère est innocent. Bon, et moi-même je ne peux pas le dire à la place des défenseurs d'Arnel Bélizère. Parce que c'est un tribunal qui peut dire et lui coupable ou pas. Parce que si ici, il y a une ordonnance qui rentre. Ordonnance la voyelle à devant le tribunal correctionnel. Bon. Parce que l'ordre devant correctionnel, d'après ça me comprend, c'est là qu'on délit. Là, c'est pas un gros bagage. Chimique dossier. D'après ça me prend, le dossier est vide. Dossier à vide. Elle l'a dit. Ah ben oui, moi-même bagage ça dossier à son instruction. On donne ça bagage. Et lui, quand t'as dit lui, c'est lui, bagage ça, sans guerre et écoute du conflit. Pas oublier, Anel, probablement, elle a son problème de communication payé. Le fait que l'on a parlé, moi, j'ai des sens, j'ai des images. Bon, il faut comprendre qui l'a pour utiliser, moi, qui l'a pour pas utiliser. L'on dit sauter. On dit sauter tel bagaille. Bon, mon a toujours fait une interprétation qui a dit boulet, voyez grenade, bah on est exposé et zone là. Bon, alors que sauter en créant le panneau, nous te dit c'est quitter ça et sauter ça, ça veut dire ça. Si nous avons le pont, ça dit quitter pour ça, alors là. Éviter tel côté. Donc c'est ça qui te mette dans tout problème, yo, et puis on mette dossier illégal. Je suis un examen illégal là-dedans, tout le monde connaît l'ordre qui fonctionne avec examen illégal, la loi punit ça. Donc, si on voit le devant correctionnel, on va qui peut-être pas connaît, il n'est pas grave. Ils sont délimineurs, c'est l'ordre qu'on fait délimineurs, oui, c'est un qui va trop grave, oui. Et on voit le devant correctionnel, par exemple, on est qui font diffamation, et on voit le devant correctionnel. Et bien, c'est ça qui fait que le ministre de la Justice, peut-être lui demander à commissaire gouvernement à Jacques Gil et Jacques Lafontaine pour lui faire interjeter appel. C'est-à-dire qu'on lui fait appel de décision. Parce que pour interjeter appel, son mandat, il ne faut pas d'accord avec elle, il ne faut pas d'accord avec l'ordonnance qui est là, il ne faut pas satisfait. Et pour demander pour la cour d'appel, pas qu'on est tribunal là, attendez, on va juger affaire. Et puis si on met une décision, on y a ou même, on va aller obliger à la cour de tentation. Donc, pour dire le gouvernement de la République, pour voir, il y en a voulu qu'il y Anel Bélizère en prison, parce que, vous entendez, le commissaire avait dit qu'Anel risquait de prendre 15 prison. Là, on a ça avec l'ambassade américaine, une européenne, où on a fait avec Canada. Donc, monsieur Vin, la communauté internationale, là, qu'on a, c'est pas en justice, ça peut être son forme de pression, ça peut exercer pour plaire aux membres de la communauté internationale. Parce que c'est la justice qui doit faire travailler. Dans le dossier Anel Bélizère là, que la justice travaille correctement, mais pour prononcer sa tasse, monsieur. C'est ça, nous espérons que la justice fait travailler. Nouveau patron EDH là, qui installé en cachette, pas qu'à BTPL, le bureau central. Michel, présumé, monsieur, il y a un gros dossier sous dol, non cité Langagotte, CIRH, l'agent Petro-Caribé, et puis privatisation, liquidation, diverses entreprises, l'État. Bon, comment on quitte, pourquoi monsieur, si pas pour nous qu'on dirige les dans la campagne déjà, c'est pas on qui pas connu, c'est on qui va faire de présentation, c'est normal si il y a des reproches pour lui dans le dossier de Petro-Caribé. Et mais on est conseillé pas qu'à prendre le nom du directeur général. C'est ça même du là. Mais bien fait bagaille, ça on va chercher dossier, mon dossier là. Pour ça, il prend M. Nobel. Sans pouvoir que pouvoir, il n'a pas de ressources. Il n'a pas de ressources. Les ressources humaines pour voir elle est faible. Parce que bagaille, il y a juste sorti là, pour ça,
Parce que vous faites attendre le monde dehors, c'est le pouvoir. Et ça m'a dit, on ne peut pas diriger pour ça, on peut diriger avec les compétences des personnes qualifiées. On y a là, si on n'a pas de force, on n'a pas de résultat lié incompétent, on va changer. Mais là, on ne fait pas, on prend des mondes qui gagnent des dossiers sur eux, des mondes qui gagnent des doutes sur eux, des suspicions sur eux, sur des dossiers quelconques, on est obligé de faire mettre un monde à l'écart. Il faut prendre des mondes qui, au-dessus de tout soupçon, et bien, ils dirigent. Donc, moi, je pense que nous avons de bons droits, puisqu'il y a un dossier d'accusation de corruption de Michel Présumé dans le dossier de Petro-Caribé. Eh bien, que Michel Présumé retire et mette sous côté, c'est ce monde qui a gagné le dossier et mette le dans cette EDF. Et avant dernière question, avant de prendre pause là, Watson, dossier Emmanuel Toto Constant, commissaire gouvernement Gonaïve là, monsieur Gassius, li sous route pour ta blanchi Toto Constant. Heureusement, RNDDH avec BAI voyé dossier ba monsieur parce que il dit il pas joine rien la greffe là. Ben justement, s'il pas joine, mais ça m'a toujours Boula. Donc, on s'en paye qu'à fonctionner. Alors, on paye qui était en bas. Si il y a des accusations qui portent contre moi, nous dit que c'est la frappe, même tout le monde est contre la frappe. Parce que moi-même, je ne suis pas fait. Je ne suis pas fait de gros là. Je ne suis pas fait de l'air. 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 Donc, il y a eu des réactions. Effectivement. Si Michel gagne des reproches pour lui, mon amour, il massacre mon gars, massacre la botte, l'autre barrette. Mais si il n'a pas gagné un dossier solide qui monte contre Michel, la justice a blagué lui. Il a blagué. Quand il y a la porte de santé rentre en Haïti, il faut que tu aies des gens qui sont victimes, ils pas une victime qui t'a porté plainte pour lui. Mais Watson, je te dis ça. Nous reprochons de crimes contre l'humanité. Mais je ne pas continuer à faire bon, mais si je ne pas continuer à tout tribunal là il n'y a pas de dossier pour lui. Quand c'est un dossier, il n'y a pas de pour lui, la langue de la chambre n'a rien. Quand je dis que ça, on se donne pour votre lien. Parce que si on le condamné dans les dimanches, il n'est pas présenté, il n'y a pas là, le condamné dans les doules. Mais on a un dossier pour le condamné. On a un dossier. Qui n'est pas le grand flou dit, pas oublier que, pas oublier associer Emmanuel Toto Constant pour voir tout, pour voir son place, on va oublier ça. Très important, peut-être que dossier ou pas. Bonjour, regardez-moi, Emmanuel Toto Constant, tout le monde connaît Michel Martelly, pas de flou. C'est vrai qu'on a dit qu'on n'a pas rien pour vous, mais Michel Martelly, c'est pas, Michel Martelly va prendre pour bon côté, Moun ki konen di, ancien président Martelly, il était là ninja tout. Weekend magazine, Watson, rete avec nous sous l'île, n'a pren un coup de pause, n'a tourné rapidement. Nom c'est Bonskene Alex, moi t'a fait valer pour un compagnie côté que me rencontrer avec Alan Jackson et puis m'te saluer, m'te dire bienvenue. C'est comme ça m'te commencer un dialogue tout de suite, l'été offrir un brand new Toyota Corolla 2019. Moi voulais remercier au pour ça. Et que m'a dit tout haïtien qui t'a aimé gagner en machine pas hésiter venir à Alan Jackson Toyota vraiment monde qui remet nous merci Alan Jackson c'est pam Alan Jackson bon bagay. Comme c'est Alan Daphnis, pour bureau avocat Rogatowski et Matthews. Sous gardez, de temps en temps la pluie a tombé et ou même qui a propre caille par où, ou qu'on a subi une série de dommages en dedans caille à cause de la pluie. L'eau envahit tout en dedans caille, mais il a craqué, limon a pleuvé dans tout coin. Donc ou même qui voit que c'est dommage ça, ou qu'on a subi dans caille à cause de la pluie, m'a encouragé pour les bureaux avocat Rogatowski et Matthews. Y a voyé un public audience venir évaluer dommages qu'on a subi en dedans caille. Le pap chargeau pour ça, y a prend ça en charge et les compagnies assurance là pour capable faire venir l'argent pour réparer dommage qu'on subit en dedans Kayoa. Son gérer les avocats Sam dans bureau Rogatowski and Matthews Kounia dans
954-995-3805. C'est 954-995-3805. Songez, le pape charge 5 ans pour inspection ou mettre les avocats Sam Kounia et dit c'est Alan Daphnis qui m'a dit pour Relil. Fais ça Kounia. Relil avocat Sam Rogatuski, dans le bureau Rogatuski and Matthews, 954-995-3805. C'est 954-995-3805. Amis téléspectateurs, Weekend Magazine, nous retournons. Nous avons toujours continué dialogue là, commenter l'actualité avec Watson Desir, journaliste, commentateur, analyste politique, publicitaire, animateur. Monsieur Sajan nous dit, il est chargé chapeau et il est en politique tout. Dossier justice jusqu'à présent, il y a deux Mexicains qui sont condamnés pour passer 5 ans en prison. Pour tentative trafic drogue, chaque l'an mexicain sa yo a bien pour payer l'état haïtien 2 millions goud. Ou pensez son signal qui lancé Watson? Bon, ça nous a dit sur ce point depuis l'arrivée de Normil Rameau à la tête de la direction générale de la police nationale d'Haïti. On constatait gagner un effort considérable qui fait la question saisie drogue parce que dans pile drogue qui saisit, que ce soit au niveau de, des douanes, que ce soit quand des gens qui ont cessé ou arrêté, des gens qui ont sorti, qui ont transporté drogue, ou des cocaïne, marijuana, eh bien la police BLTF à travers BLTF, brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants, il y a pile saisie drogue qui fait, ça montre que chaque police qui l'a pas dans ce qu'on est avec, bon, son monde qui est déjà dans le CPJ. Qui t'a combattu, question ça, eh bien, je redouble d'efforts et demander pour structure ça, bien, brigade qui est concernée par trafic de drogue, là, question circulation de drogue, et dans le pays, là, qui est BLTF, bien, monsieur, redouble de vigilance, et il y a 16e, peut-être qu'on a arrêté un pile monto qui t'a circulé avec drogue dans le pays, parce que c'est son bon site, bon pays, parce que le pays, nous va faire drogue, nous va faire cocaïne, nous va faire marijuana. Donc, nous n'avons pas capable de circuler avec Barassa au stupéfiant dans le pays. Donc, il n'y a pas bon pour l'image, nous. Et à chaque fois que nous arrêtons des gens dans le niveau ça, je pense que l'international, là, après nous, n'a pas été bien à ce niveau. Watson Desir, si dans ce sens-là, Normil Rameau libère le résultat, en plus, le secteur condamne le fait que vous dites, sous plan sécurité, tu as été langue. Avec bandits et des gens qui ont manifesté pacifiquement, ils ont réprimé avec violence. Bon, ça, tout le monde connaît, moi-même, je ne prends pas, je ne prendrai jamais la défense de Normil Rameau. Normil Rameau était un technicien, son équipe a résultat, Jamdoula, tout le monde unanime à reconnaître que Normil Rameau a fait un travail exceptionnel au sein de la DCPJ, la direction centrale de la police judiciaire, et un pile monté. Bravo pour choix dans Normil Rameau. Il y a des gens qui ne peuvent pas bravo pour lui parce qu'il y a des gens qui pourraient mettre le travail en fait. Il y a des gens qui pourraient mettre le travail en fait. Surtout les gens qui connaissent les choses, les gens qui connaissent des gros dossiers sur eux parce que l'on a des CPJ, on a accès à un paquet de dossiers. Donc si Rameau a un petit cas de conseil de nègres dans le pays, les gens ne peuvent pas remettre Rameau TV directeur général. Avec un pile nègre là, je vous dis, d'après l'information que j'ai, qui par exemple est capable de parce que les nègres pas clair. Du point de vue sécurité, on a regardé des bagailles là à plusieurs niveaux. Il y a des gens qui sont armés. Qui est-ce qui a armé les gens dans le pays? Qui est-ce qui a des munitions? Qui est-ce qui a fait bateau pour rentrer dans le pays? Les gens qui ont accès à ce bateau pour rentrer, les gens qui ont port privé, qui sont qui même du bandit, est-ce que le bandit a des bateaux? Est-ce que le bandit a fait des armes dans le pays par connaît, par avion? Ou bien pas qu'on n'est pas frontière maritime terrestre et aérienne. Non. Bandit a des moyens. Est-ce que bandit a des moyens? Si des armes que moi n'ai gagné dans mes là, est-ce qu'on a des moyens pour acheter des armes ça? Et non, est-ce qu'on a des moyens pour bâtir des munitions pour être capable de faire la là, Watson, téléspectateurs, vous cap sur vous, amis auditeurs sur Radio Nouvelle Lumière, il a demandé qui voit la police, ça l'a fait. Qui disposition qu'a prend bon, pour mettre bandits hors d'état de nuire? Bonjour. Mettre bandits hors d'état de nuire, c'est la qui est la plus facile.
va obliger la police à faire des opérations ciblées pour capable vraiment disparaître pour arrêter ou bien dans le cadre des échanges de tirs. Malheureusement, il y a des bandits tombés parce que la police a une vocation suivant mission que Bali pour tout le monde. Mais là, il y a un pouvoir politique qui n'a pas décidé. Parce que la police dépend du ministère de la Justice. Le ministère fiscal, c'est le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, il fait la politique pénale gouvernementale, il l'a appliquée. Il l'a fait politique. Le chef du gouvernement, qui est le président du Conseil supérieur de la police nationale, par le CFPN, c'est politique. Parce que les parents techniciens en sécurité publique. Donc qui sont pas venus là? Monsieur a essayé, et puis nous avons une période côté que pouvoir essayer et la BCE gagne un maximum de contrôle possible. Parce qu'on va vers les élections. De toute façon, quelle élection organisée à Nessa? On va vers la transition. Donc il y aura quand même des élections en Haïti. Que c'est le gouvernement qui va réaliser leur fait AMEA, ou bien cette transition venue, si le président n'est pas capable de faire payer à marcher, mais s'il allait avant s'il part le 7 février 2021, j'en constitue sur un deal modèle fini, eh bien, a toujours des problèmes. Donc, pour que ce sécurité, il faut qu'il y ait une volonté politique d'être plein pour permettre que la police ait l'attitude pour mener l'opération qu'elle veut mener, pour prendre disposition pour le bon pour faire. Le chef de police, c'est qui décide de prendre des mesures pour combattre banditisme, criminalité. On a fait des opérations de décalquier bien précis. Et puis, si le gouvernement dit qu'il faut ramper, si le ministre dit qu'il faut ramper, ça vous le fait, il va pas outrepasser. Parce qu'on y a l'air, il n'y a pas un appui, parce qu'il y a des appuis politiques qui vont bailler. Son gouvernement détaché de Gagnon, son gouvernement détaché de Bandio, son gouvernement voulait absolument qu'il y ait sécurité dans le pays. Et à qui profite ce climat de sécurité? Exploration climat de sécurité, ça, pour qu'il y ait si bon, et vous n'achetez ce qu'on aime pour qu'il y ait si bon. Et si on connaît pour qu'il y ait si bon, et bien là, toujours, la police a toujours. À responsabilité, cette police a toujours critiqué, cette police a doute pas bon. La monomie, lui-même, il y a deux dans la vie qu'a fait, c'est soit de responsabilité, lui mène des opérations, et que lui-même, lui va faire l'effet tout. On a s'il le dit, on va pas le pour faire opération, ça, même si la technique, pas oublier nommer la bosse, il est directeur général AI, AI en route. C'est pas un thème. C'est comme si le directeur général qui parle là, et bien on va aller quitter poste la vie, nominez-moi va sur l'intérimat. Jusqu'à ce qu'il y a un intérimat, même si pas un département, pas un sénat amputé de 20 ans, il n'est pas fonctionnel. Donc, pas un département, et nominez-moi comme directeur général. Eh bien, ce président qui vous nomme le directeur général de la police, la même nominalement, il y a des bagages limités. Et c'est voulu pouvoir décider nominalement directeur général de la police nationale d'Haïti, mais toujours qu'un bel AIA. Parce que l'on AIA, à n'importe quel moment, le président a décidé de retirer le métro le monde. Donc, il y a des enjeux qui sont là, enjeux politiques, il y a des enjeux économiques, et puis il y a l'aspect sécuritaire que les gens veulent faire à mon passé. Comme le piètre directeur, puisque il n'y a pas qu'à agir, quand tout le monde compte dans le café, et il va avoir l'attitude pour le travail vraiment, il faut être capable de prendre des décisions comme un bandit, c'est une guerre de recherche derrière eux, qui a exhibé les amis, qui a fonctionné, qui prend la rue là, et c'est eux qui ont fait la loi, ils ont même, dans pile parole qui a parlé dans la République, qui ont entendu autour, c'est des bandits qui ont fait des pressions sur le pouvoir pour mettre le monde en dans le pouvoir, donc vous comprenez que c'est une république dirigeait ou bien aimait des gangs, donc avec la police qui est puissante, qui n'a pas fait face à responsabilité, lui, qui n'a pas respecté la mission qui était assignée à lui-même, qui fait protéger et servir la population. Watson, vous faites un bel rallye là, mais, amis téléspectateurs, vous avez demandé pour qu'il Saramo pas démissionné, si pouvoir l'entraîner langue avec bandit tout, qui ça pour société a ta fait dans sens ça parce que si pouvoir l'entêter langue avec bandi moun mêlé
Je ne peux exercer aucune pression, aucune forme de pression sur la personne de Normie Rameau. Nous connaissons. Normie Rameau, face à la responsabilité, face à destin, est-ce qu'elle même l'a perdu 7 années qu'elle était passée dans des CPJ, qu'elle était un résultat? Tout le monde est toujours complimenté pour ça. C'est dit même, il est libre pour le choisir. L'était dans la situation que lui-même est puissant face à Don qui vient dans le pays, ça vous le fait pour la sécurité. C'est lui-même qui connaît, est-ce qu'elle a démissionné ou pas. Donc moi-même, dans la place en minéraux, je n'ai pas qu'à décider. Et moi-même, si je suis dans la place en minéraux, je compte qui ça me t'a fait. Ok, je compte qui ça me t'a fait, même pas dans la place. Il est libre à lui-même pour le décider, qui ça voulait. Mais qu'on y a tout, il y a la responsabilité citoyenne aussi. Où sont les citoyens? Que font les citoyens? Les citoyens sont passifs. Ils acceptent ce climat d'insécurité, ben ils s'en plaignent tout le temps, et bon, ils demandent à la police de faire des interventions, de faire des opérations, mais la police ne peut pas agir n'importe comment. Donc, comme voilà, cette population, lui-même, si elle fait marche contre l'insécurité, que tout pays a dans son ensemble, levé campé, pour demander gouvernement, parce que la responsabilité incombe au gouvernement. Le gouvernement qui doit assurer sécurité population. C'est la police qui joue le rôle dans quel plan de sécurité. Ma forte camp pour la Watson, parce que lorsque nous avons fait manifestation sitting contre l'insécurité, eh bien, unité spécialisée dans le PNH là, à plusieurs reprises, ils ont gâté ça. Nous n'avons pas même rassemblé ni manifesté même ces gaz lacrymogènes. Certaines fois, ils ont tiré balles réelles en l'air. Bon, tirer balle réelle en l'air, c'est la police n'a pas tiré balle réelle en l'air, c'est pas tiré à autodome. C'est des tirs de sonation pour capable disperser foule, gaz lacrymogène, c'est pour disperser foule. Mais mon aussi a consisté pour revendiquer un bataille, depuis qu'on va bouler, on va craser, briser, la police a gagné pour craser les manifestants. La police n'a pas pour craser les manifestations, non. La police là pour l'accompagner, manifestants. Et suivant complètement. Très bien. Tout va dicter pour réaction de la police là. Si on y a crasé brisé, à mettre du feu, il y a fait voyons roche, il y a fait violence, eh bien la police doit réprimer et complètement ça. Réprimer l'attitude, c'est le monde qui a voyé roche, la police a obligé d'arrêter. Il y a obligé de disperser la manifestation pour éviter que gagne plus casse. Mais la police a capable de gagner une capacité pour faire ça tout. Parce que c'est la police anti-émeute, ça veut dire contre violence, gagne de violence, on va faire Simon qui toujours a réagi, Simon qui l'a, je vais gagner, je vais de l'eau, pour capable de disperser pour là, les gagner en situation qui dépasse eux, ils veulent faire des manifestations, capable de craser, parce que gagne violence qui a fait ça. Mais si on a gagné violence, on a manifesté calmement, dans la discipline, dans l'ordre, c'est normal pour. Dossier Massimadi, protestant, catholique, vaudouisant, tout secteur levé campé contre président République là pour décret projet loi ça. Chef l'État lui-même lui dit si on moun ka montrer qui côté en dedans décret projet loi ça et code pénal là li écrit noir sur blanc, garçon marié à garçon ou bien fille mariée à fille. Bon, à ce niveau-là, je pense que, qu'il s'agit là d'une sorte de lapsus, on va dire, président, parce que, bien, ça ne fait pas ça le bâti, mais moi, on a des vidéos à net. Et c'est pas parce que moi-même, j'ai des problèmes à façon, Jovenel Moïse a dirigé le pays, et si on va dire que je suis capable de clarifier pour lui, on va faire. Parce que faut qu'on parle ça, parce que mon nom parle au monde, et faut qu'on dise la vérité, faut qu'on dise la côté lié. Pour la suite, comme vous avez fait, et par la suite, il y a une corrigée. Et mon nom, quand il bout de ça dans la vidéo, il mettait le dehors, et puis il dit que le président a dit, il dit qui côté, et il dit pour garçon marié avec femme. Donc, c'est pas ça le pays. Monsieur était fait un mais il s'est corrigé rapidement, mon nom pour bout de la vidéo. Bon, là n'est pas la question. Ce qui m'intéresse, ce qui me préoccupe, nous avons une culture. Nous avons, nous gagnons mes, nous gagnons coutumes, nous. Et je ne sais pas moi-même de vivre le jeune, je ne sais pas qu'on est dans le pays d'Haïti, garçon, c'est qu'on marie avec garçon, femme, c'est qu'on marie avec femme.
on va dire un monde qui est homosexuel ou bien qui narcissique ou bien qui n'a divine. On va dire un monde qui est marche visiblement exhibé dans la rue. Par exemple, il y a des monde au cas et comme si nous avons des gestes à faire, vous avez fait interpréter, vous dites ça, ah, mon tari, c'est ma fille, ça, c'est ma divine. Mais si nous n'avons pas de parole, nous n'avons pas de faire, nous n'avons pas de connaître que dans ça. C'est comme si la loi haïtienne, reconnaître la constitution, la législation haïtienne, on ne reconnaît pas, parce qu'on ne peut pas légiférer sur ça. On décret, on a fait ça, on a fait pour le président de la République, le pouvoir en place, le gouvernement devait avant tout consulter la population sur cette décision. Parce que la population, elle même pour lui, bah, il ne pas, il faut consulter le peuple sur ça. S'il veut, il va venir, il y a au moins qu'on est qui ça. Parce que c'est vrai qu'il y a tout type de monde dans la société. Hein. Et donc, chaque monde a un droit, il est capable d'exercer le droit, il est exercer le devoir. Donc, il ne faut pas qu'il y ait contre orientation sexuelle, tel que soit le monde. Le monde n'a qu'à choisir qu'on livre sa femme à divine Isabelle. Devine faire l'ensemble de la caille, qui est problème pour me dire qu'il y a un problème à ça. Si nous avons fait ma Sicile, l'ensemble de la Cali, il y a des problèmes, nous ne l'avons pas. Mais qu'on y a, s'il voulait prendre une liberté publiquement pour garçon, parler à garçon, parler à femme, si la loi va dire ça, c'est normal que la société a protesté comme ça, en forme de protestation, sans faire violence sur le monde que vous avez dit qui a un type de pratique sexuelle, comme si le monde qui m'a dit venez, le monde qui m'a Sicile, c'est un monde qu'on connaît, on a besoin pour faire violence, comme si tout le monde mettait du feu sous lui. Parce que dans le cas qui concerne comme ça, il y a des gens ici, ils sont prêts pour laisser eux, pour laisser eux, il n'y a pas de fait. Parce que le monde n'a rien de droit, on n'a rien de droit pour faire ça, je vais avec Orly, pourvu que le fait, dans ce moment-là, Cali, pourvu que ça ne fait pas atteindre, il n'y a pas frisé l'indécence, ou atteindre, comme les pudeurs, morale publique là, eh bien, le monde n'a pas fait la Cali, dit celle, si les gens veulent légaliser, si on a mis les gens, ils veulent légaliser, ils sont à quoi qu'elle veut faire. Donc, quand on consulte, puisque par le Parlement, on fait le décret par avenir pour dire pour légaliser les pratiques sexuelles dans le pays, que nous-mêmes nous avons coutume ça, nous avons ça. Parce que ça, c'est des monnaies internationales, là, ambassadeurs qui ont soutenu. Parce qu'on a fait mariage pour tous, aux États-Unis, Canada, la France, à l'Azaïo, la soutenu par l'Azaïo. Mais nous-mêmes, est-ce que ça entraîne la culture nous? Et non, nous ne pouvons pas vivre avec. C'est une situation difficile. Et même là, nous ne pouvons pas prendre ça. Ou un décret qui prend, ou un bon ensemble de petits mondes, la majorité, et on réduit la majorité. Alors, pour l'argent, on a des gens qui ont fait 15 ans. Entrer dans une relation sexuelle avec n'importe qui grand monde publiquement pour tout le monde à quoi ça. Donc, même parce que c'est un crime, donc il faut le condamner. L'attitude du président de la République, le président a dit paraître comme si son monde qui manquait. On n'est peut-être pas là. Parce que c'est de la folie quand même de vouloir imposer des trucs pareils à une population qui en a marre de sa dirigeant. Merci Watson, le fait que vous te répondez présent à l'invitation ça. À la prochaine, bon week-end. Merci à Diaspora TV, merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Weekend Magazine. Merci à tous. Profitez pendant que les titans sont avant d'aller pour me dire diaspora haïtienne là, faut que vous repoussez, vous levez et tout, vous revendiquez le droit. Parce que les haïtiens ont des droits, ont des devoirs, ils ont remis le pays, faut que vous intégrez, faut que l'intégration diaspora soit effective pour diaspora capable de participer dans les affaires politiques. Pour diaspora. Si on a besoin de faire comme régime, eh bien, il faut la douleur est capable d'aller entrer dans la politique qu'il y a. Nous tous la donne, nous tous concernés, parce que nous tous c'est haïtiens, et c'est seul notre ensemble entre les haïtiens d'ici et d'ailleurs que nous sommes capables de changer la situation pays dans notre orientation à la République d'Haïti. Correct, Watson Desir, téléspectateur, à la prochaine.